Alors, apparemment, il y a un gros malentendu sur ma sentence parce qu'on parle de me couper la tête. Mais bon, on va régler ça en discutant. C'est qu'une méprise. Les amis, merci d'être venus. Alice est devenue complètement fou, il veut me couper la tête. Non, mais ils sont au courant. C'est même plus ou moins leur idée. Quoi ? Tout le monde pense que t'es un connard. C'est pas exactement ce que... Vous l'avez pas dit ? Pas exactement dans ces termes. Ah si ! Si, connard ! T'as pas dit connard ? Alors, moi, j'ai peut-être dit connard, mais c'est parce que tu écoutes très peu. Bande de petits bâtards. On avait demandé du changement dans le royaume. Eh ben, c'est ça. Là, il est vivant et ça va changer ou il est mort. Mais on avait aussi dit qu'on ne voulait pas qu'il souffre. Oui, mais moi, au départ, je voulais l'écarteler. À côté de ça, lui couper la tête, c'est mignon. Et puis, allez, détendez-vous, hein. On va faire ça gaiement. On va inviter tous les villageois à voir le spectacle. Il y aura des petits stands de bouffe, à boire, des... comment ça s'appelle, là, le truc à base de maïs ? Du popcorn. Voilà ! Oh, faut que je le note, ça. Bon, ça va être super. Bon, moi, je file, je vais préparer tout ça. À plus tard ! Vous m'avez condamné à mort ! J'ai dit changement. Il a interprété, il est devenu fou. Mais pourquoi vous demandez du changement ? Vous n'êtes pas suffisamment heureux et épanoui avec moi ? Non. Heureux, c'est pas le mot, non. Tu écoutes très peu. Oh, c'est... Hein ? Tu écoutes... Non mais sérieusement, est-ce qu'il y a un de vos projets que j'ai pas soutenu ? Ma passion pour le théâtre, par exemple. Oh, c'est faux, Yorel, c'est pas vrai. Ah, tu mens. Il y a pas plus tard que quelques jours, j'ai soutenu une super pièce, là. J'ai un enfant qui se faisait enlever par des loups et dévoré par un ours. J'ai adoré, c'était génial, ça. Ça, c'était pas une pièce, c'était vrai. Oh, tu veux dire que le vieux monsieur... C'était son père. Ah ouais, putain, la vache, il était vachement investi et tout. Tu vois, tu écoutes peu. Ouais. Quoi ? Non, là c'est un piège, parce que là j'étais avec Yorel. C'est comme quand je te parle du droit des femmes. Mais j'adore les femmes, Clarisse, j'adore. C'est ce que je préfère après le poulet. C'est ce que vous faites, c'est génial. Les potages, les condiments autour, la broderie, vous faites des trucs avec le... Et puis les enfants, Clarisse. C'est vous, hein. C'est pas nous, hein. C'est vous les enfants. Tu laisserais une femme avoir le pouvoir ? Et puis voilà ! Et puis vous êtes super marrante, en plus vous arrivez à faire des blagues. Oh merci Clarisse, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé. Bon, les amis... Moi, je veux pas mourir ici, d'accord ? Donc, faut pas laisser là. Faites-moi sortir d'ici. On est une famille. Allez-y, partez ! Moi, je m'en fous, j'ai un plan. Oui ! Daniel, il a un plan. Ah, Bélire ! Tu voulais me voir ? Alice, je voulais pas en arriver là, mais tu me laisses pas le choix. Je te défie en duel judiciaire. C'est la loi. Et j'ai parfaitement le droit de demander ce duel. Et si je gagne ? Je serai libre. Alors oui, c'est vrai, mais c'était la loi. Parce que je l'ai fait changer. Nouveau seigneur, nouvelle règle. Non, maintenant, les duels, ça se passe avec des bûchers. On prend les deux duellistes, on les jette dans le feu, et celui qui survit, il a gagné. C'est plus... dragon. Toujours intéressé ? Je te laisse réfléchir. Ça fait le malin. Monsieur, je brûle pas dans le feu, c'est ce qui brûle pas ! Le sourire d'un enfant ! Ok, donc soit je meurs par le feu, soit je meurs par l'épée. Mais pour l'instant, le plan, c'est que je meurs. Pour lui couper la tête, j'hésite entre cette hache et cette épée. La hache, c'est plus sûr. Mais l'épée, ça ferait joli. Alice. Quoi ? Je peux te parler ? Ouais. Est-ce que tu penses que la mort est la meilleure solution pour Bélire ? Ah ouais, je te vois venir. Tu vas faire « Oh non, le pauvre, épargnons-le !» Il m'a planté un couteau dans le dos. Alors déjà, je parle pas comme ça. Puis épargner Bélire ? Non, pas du tout. Non, non, non. Je cherche quelque chose de pire pour lui que la mort. Parce que la mort, finalement, c'est gentil, voire un peu vulgaire. La mort, c'est gentil et vulgaire ? Qu'est-ce qui est pire que la mort ? Cette discussion ? Oh non, la torture ! Mais oui, la torture ! Mais évidemment, avec un couteau. Non, non. Les petits non. couteaux de pêcheurs, là. Qu'est-ce qu'ils sont crades, ceux-là ? Tout le temps plein de terre. Ils s'ouvriraient là et puis. Ah, non, il non, est non, super non, mal. Non, 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 non. La torture, c'est pas pire que la mort, parce que c'est Bélire, il est faible, donc il va mourir tout de suite, donc c'est pas intéressant. Alors que si tu allonges sa peine, si tu la fais durer des semaines, voire des mois, tu peux profiter de ta vengeance pendant très longtemps. Et c'est quoi ton plan ? L'exil. L'endroit où il y a les fous. Non, ça c'est l'asile. Non, l'exil. Tu le chasses du château, tu le fais partir loin, 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 loin. Tu le dépossèdes de tout, tu le mets genre paysan et tu le regardes se débattre. Comme tu l'as pas tué, les gens pensent que tu es un bon roi et toi, tu peux te venger en t'amusant. C'est ludique. Wouah, t'es diabolique, paysan. C'est bon ça. Et il aurait un chapeau moche. Ouais. Les pieds tout crades. Pourquoi pas ? C'est dans un champ. Grave. Il saurait pas quoi faire. Ouais. Du coup, il bêcherait. Mm-hmm. Ah, après, il ferait... Toc, 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 toc. Oh, mon dos mm-hmm. Oh, il doit pleuvoir. Par exemple. J'adore. Mm-hmm. On fait ça.
Alors, c'est très humide, ça sent vraiment mauvais. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, je pensais que c'était les toilettes des chevaux. Mais non, c'est le lieu de vie. Puis les toilettes, les toilettes. Vélire, la soupe d'ortie au poivre est prête. J'arrive, compagnon. C'est les potes du cachot. Une nouvelle vie commence. Ah, t'as mis trop de temps, trop tard, y'en a plus. C'est trop tard pour demander la mort, là.